pas. La parole est à monsieur Xavier Breton. Monsieur Xavier Breton, oui. Charge pour le groupe UMP pour 2 minutes, je vous le rappelle. Merci madame la présidente, mes chers collègues, mesdames les ministres, messieurs les rapporteurs. Je crois que le renvoi en commission est indispensable quand on a bien entendu les arguments de Jean-Frédéric Poisson. Moi, je retiens 3 choses. C'est que tout d'abord, le débat officiel public n'a pas eu lieu. C'est vrai qu'il y a un vrai débat dans la société aujourd'hui, dans les réunions que nous organisons, dans les médias. Mais le débat tel qu'on avait pu l'avoir autour de Jean Lonetti au moment de la bioéthique, avec 17 mois de mission d'information, avec 6 mois d'états généraux, eh bien, nous en avons été privés. Et ce n'est pas les auditions dont on a vu qu'elles étaient partiales. Les deux tiers des personnes auditionnées étaient favorables à ce projet. Jean-Frédéric Poisson nous l'a dit. J'ai pu assister à beaucoup d'auditions et j'ai pu constater ce caractère partial. Le deuxième point, il y a des questions qui restent sans réponse. Nous les avons posées, nous n'avons toujours pas de réponse. Et c'est quand même des éléments importants. Quelle est notre conception de l'égalité? Est-ce que, madame la ministre de la Famille, vous continuez à dire que toute différence de droit entre les personnes relève d'une discrimination? Si oui, je pense qu'il y a un vrai problème sur la conception de l'égalité du droit. Quelle conception nous avons de l'altérité sexuelle? Est-ce que l'homme et la femme, ça signifie encore quelque chose dans notre société? Est-ce que c'est complémentaire ou pas? Là-dessus, nous n'avons pas votre réponse. Quelle est votre conception de la filiation? Est-ce que la filiation, c'est simplement la capacité à aimer des enfants? Ou est-ce qu'il y a également d'autres aspects, un pilier biologique, corporel? Eh bien là, nous attendons vos réponses. Nous les avons donné notre conception. Nous attendons vos réponses. Et puis le troisième point, ça a été l'amendement balai, qui a été un tour de passe-passe qu'on a vu arriver en commission des lois, qui a fait tomber des dizaines d'amendements, mais il n'y a pas eu de véritable évaluation, notamment juridique, de cet amendement balai. Certains juristes nous ont dit, soit ça va trop loin, soit c'est trop court, mais en tout cas, cet amendement pose aujourd'hui beaucoup de questions. On le voit, le travail en commission doit être maintenant revu pour qu'on aille au fond de ce texte. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.